Ande Guru Shri Charana Rindam Mahaprabhu Ki Dhananita Gita Vaditra Madhyana Nasura Sena Romanja Kampa Shita Yanda Bajo Vande Guru Shri Yamara Romanja Kampa Shita Yanda Bajo Vande Guru Shri Sri
Yeah.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supadra Devi Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrughna Ayodhya Dama Ki Jai Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Saraswati Mata Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai To Glory of the Sunday Hare Krishna Om Achnana Himirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Ratha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kadam Nasteva 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 Gatiram Yataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Merci bien d'écouter Srimad Bhagavatam. Je pense que ça sera bien que quelqu'un traduise pour Gevorg, là-bas. Nastest Kestark, mon nom. Donc on a je vais vérifier en fait le verset que Prataprabhu nous a envoyé. C'est donc c'est 4.18.5. Ok. Donc 4.18.5. Tanana drityayo vidvam artham arabhate svayam tasya vyabhicharantyat artha arabhyascha punam puna. Traduction. Le sot qui, à force de spéculation intellectuelle, invente ses propres méthodes et ne reconnaît pas l'autorité des sages qui ont tracé la voie parfaite, se ôtera à des échecs répétés dans toutes ses tentatives. Tenez reporté. Aujourd'hui. Non, il... tenez reporté de qui? De Srila Prabhupada. Badi. Srila Prabhupada de qui? Bien. Aujourd'hui, il est de mode de s'éloigner des voies parfaites que traçant les acharyas et les âmes libérées de ton passé. De nos jours, les hommes sont si déchus qu'ils ne peuvent distinguer une âme libérée d'une âme conditionnée. Une âme conditionnée est assujettie à 4 imperfections. Elle est sûre de commettre des erreurs, de devenir la proie de l'illusion et la tendance à tromper autrui, et ses sens sont imparfaits. Il nous faut donc être guidés par des êtres libérés. Notre mouvement par la conscience de Krishna recevoir directement les instructions du Seigneur suprême, transmises par les personnes qui observent strictement ses enseignements. Bien qu'un membre de ce mouvement ne soit pas nécessairement un être libéré, il fait la volonté du Seigneur suprême, que lui est libéré. Ses actes seront naturellement affranchis de la solure due à la nature matérielle. Shri Chaitanya déclare en conséquence « Sur mon ordre, devenez des maîtres spirituels ». N'importe qui peut immédiatement devenir un maître spirituel à condition d'avoir une foi parfaite dans la parole absolue de Dieu, la personne suprême, et de suivre ses instructions. Le matérialiste ne s'intéresse pas à l'instruction des êtres libérés, mais ils attachent une grande importance à leur propre spéculation. Et c'est pourquoi leurs efforts n'aboutissent qu'à des échecs répétés. L'humanité est plongé dans la confusion parce que le monde entier adopte maintenant les directives imparfaites d'âmes inconditionnées. Après, Krishna joue la flûte. Merci. Donc, les paroles de ce verset appartiennent à Bhumi Devi, à notre mère terre. euh,
elle continue de donner des instructions. Nous pouvons poser une question. En fait, elle est devant Prithu Maharaj, qui est de la personne suprême en direct, et il n'a pas besoin des instructions d'un être comme la Terre, pour qui elle donne ses instructions. En effet, elle est considérée, la Terre est considérée comme mère de tous les êtres vivants. Ne pensez pas que quand on dit Terre et la mer, que par exemple la Lune n'est pas mère, ou je ne sais pas, la Vénus ou le Soleil n'est pas mère. Ils sont aussi, toutes les planètes sont leur Mais ils sont des hommes, les autres planètes. Les planètes, en fait, ils ont toujours cette position. Les planètes, pas la personne qui présente la planète. Okay. Par exemple, Indra Loka, c'est une planète. Okay. Mais celui qui gère cette planète, c'est Indra. Mais la planète elle-même, elle est une mère. Donc, les écrits védiques disent qu'on a, chaque être vivant a sept mères. Donc, une, c'est celle qui donne la naissance. L'autre mère, c'est celle qui la nourrit, hein, parce que c'est la nourrice ou celui qui est nourri. Donc, des fois, par exemple, il y a une mère qui fait naissance d'un enfant et après l'abandon, et l'autre qui élève est aussi... élève cet enfant, est considérée comme une mère. Ensuite, c'est la femme de maître spirituel. L'autre, c'est la femme de brahmana, de n'importe quel brahmana. Ensuite, c'est la femme de roi. Ensuite, c'est la terre. Et la vache. Voilà. Et septième, c'est la vache. Donc, si vous comparez tous les sept, vous voyez que, en fait, tous les sept, ils sont toujours soucieux de protéger les enfants. En fait, ils considèrent tous les êtres comme ses enfants. Et ils prennent cette position et le font. Pareil, la terre, pour donner des vraies instructions à ses enfants, elle prononce ses paroles. Donc, si vous vous souvenez, dans les versets précédents, Bhumi, elle a donné les conseils de suivre les traces des grands maîtres, des grands sages. Et elle dit que si on suit les traces des grands maîtres, les grands acharyas, on peut être heureux et dans cette vie et dans la vie suivante. Donc, et ensuite, elle dit, elle dit que seulement un sot, un être qui n'est pas assez intelligent, pense qu'il peut s'en sortir en s'appuyant sur ses propres spéculations, sur propre interprétation. Souvent, on rencontre des gens qui achètent la Bhagavad Gita et ils disent que, bah, écoutez, c'est suffisant, il suffit juste lire ce qui est dans la Bhagavad Gita et c'est bon. Donc, bien sûr que la Bhagavad Gita peut transformer la vie de quelqu'un, elle peut faire un progrès en certain temps, mais après, par le manque de l'association avec les dévots, par le manque de maître spirituel, en fait, cette première influence de Bhagavad Gita va s'arrêter quelque part. Et après, cette personne va mettre la Bhagavad Gita sur une étagère, et après, il va lire autre chose. Okay. C'est pour ça que, en fait, elle provient que
que nous devons trouver un maître spirituel authentique et ne pas compter sur nos propres spéculations. Pourquoi, en fait, les spéculations naissent? Par exemple, quand on analyse dans notre mouvement Hare Krishna, parce que tout se passe devant nos yeux, nous voyons qu'au départ, quand il y a un néophyte, un kalishta qui vient, qui n'est pas encore qualifié, il fait des efforts pour apprendre. Petit à petit, quand il apprend déjà certaines choses, en fait, ce savoir acquis lui donne l'impression qu'il connaît déjà des choses. Et il commence à s'appuyer sur ses connaissances et agir sur cette petite poignée de connaissances, parce que la connaissance aussi, le savoir, c'est une énergie qui peut exciter notre mental, qui peut exciter notre intellect et notre ego. Ne pensez pas que le savoir est aussi innocent. Le savoir peut aussi exciter. Et cette excitation, en fait, donne l'illusion que nous connaissons beaucoup de choses et on commence à voir les défauts des autres. On dit que voilà, maintenant je vais... oui, c'est vrai que chez le Prabhupada a dit comme ça, mon maître spirituel a dit comme ça, mais moi je vais aller à droite parce que c'est... il ne connaissait pas ça. Il commence à voir que... Bon, il pense souvent ce genre des néophytes qui ont acquis un peu de savoir. Ils ont lu, par exemple, je ne sais pas, Gopal Champu ou Govinda Lilamrita, ils ont lu quelques versets dedans et ils ont dit, oh, ça, c'est... Et ils pensent qu'ils comprennent tout, ils ont tout acquis. Mais le problème, c'est qu'en fait, cela donne le cas pour qu'ils commencent à spéculer. Parce que souvent, quand on n'a pas la réponse sur certaines choses, on doit s'adresser à un maître spirituel, à guru. Mais quand on ignore guru, quand on pense qu'on n'a plus besoin de guru, pour compléter en fait la réponse à cette question, qu'est-ce que nous faisons? On commence à inventer nous-mêmes. Moi, je suis le cas que j'étais comme ça. Mais c'était un cas involontaire, parce que j'étais un chrétien à l'époque, c'était les années 80. J'étais un chrétien et j'ai étudié les évangiles, la Bible, etc. Et à un moment, je suis arrivé à un point que j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Et pour avoir les réponses à ces questions, je ne savais pas à qui m'adresser. Parce que quand je m'adressais à mes frères en Dieu, ils connaissaient pareil ce qui était écrit dans ce bouquin. Après, je me suis adressé au père de l'Église et ben, ils ont dit que toutes ces questions viennent de Satan. Il ne faut pas que tu poses ce genre de questions. Mais c'était vraiment des questions innocentes. Par exemple, quand je disais « Quel est le quotidien du Seigneur suprême ?» Est-ce qu'il dort ou il ne dort pas? À quelle heure il se lève? Quand il se lève? Qu'est-ce qu'il fait? Etc. Il disait, tu vois, ça c'est le Satan qui t'a... Oui. Voilà. Donc il faut que tu abandonnes, fais tes prières, etc., etc. Donc j'ai compris qu'eux, ils ne peuvent me donner rien. Et je pensais que peut-être c'est l'Église apostolique arménienne qui n'est pas bonne. Et je me suis adressé aux évangélistes. J'ai vu que c'est pareil. Toujours quand tu poses trop de questions, tu es évacué. Après, c'était les... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les cinquantaines, comment on dit ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mm-hmm. Petit dix-sept, Niki. Les franciscains? Non, non. C'est, il y a le mot...
Des Saint-Quentin? C'est non, c'est autre chose. Après, c'était les baptistes, après, c'était les témoins de Jéhovah, etc. etc. Et après, en fait, au final, j'ai vu que personne ne répond à ces questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre toi-même. Donc, il faut... Et j'ai violé mon mental, j'ai commencé à faire des efforts, ma fantaisie, etc. Et j'ai commencé, je suis devenu un faux gourou. Quand il y avait quelqu'un qui me disait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y avait rien écrit dans ces livres. Donc, j'ai inventé. Des fois, c'était des bonnes réponses, mais la plupart, c'était des spéculations, mes propres spéculations. Jusqu'au moment où j'ai trouvé la Bhagavad Gita. Quand Krishna m'a donné la Bhagavad Gita, quand je l'ai ouvert, quand j'ai commencé à la lire, j'ai compris qu'on ne peut plus spéculer. Parce que c'est, comme on disait hier, ce n'est plus que quelqu'un présente Dieu, c'est Dieu se présente en direct. Là, tu ne peux pas dire... Oui, mais ça veut dire ça, ça veut dire... Non, là, c'est Krishna dit en direct, il parle en direct. Et là, en fait, mon ego a commencé à dégonfler. Et après, quand j'ai découvert Srimad Bhagavatam, j'ai perdu mon existence complètement, parce que quand j'ai vu ce qu'il y a à connaître, et ce qui existe en réalité, j'ai compris que je ne connais rien. Et à n'importe quelle étape de connaissance, tu ne connais rien. Même si tu étudies 2 millions d'années, là, ce qu'il y a encore à apprendre, tu comprends que tu ne connais rien. C'est ça le principe. Parce que la connaissance védique, c'est un océan sans limite. Vous ne pouvez pas dire que voilà, là il y a encore un peu et hop, on s'arrête. Par exemple, la connaissance matérielle, c'est toujours comme ça. Tu arrives, tu étudies, les derniers scientifiques, ils ont dit ça, et hop, stop. Après, il dit, et le reste? Il dit, le reste, on ne connaît pas encore, mais on va découvrir bientôt et on va te dire. Tandis que dans la connaissance védique, il n'y a pas une limite où on va te dire, mais on ne connaît pas encore, on le connaît toujours. Si tu veux savoir ça, il y a toujours la réponse, toujours. Du coup, il y a des livres qui sortent, je ne sais pas d'où, et on te répond. Et ça, c'est le côté extraordinaire de la connaissance védique. Et Pumi, il dit que nous devons absolument suivre les autorités, en fait, les gourous, les sages, qui ont déjà réalisé cette connaissance. Entre juste être informé et réaliser, il y a une grande différence. Est-ce que celui qui a réalisé une connaissance, il peut la transmettre à quelqu'un d'autre? Mais celui qui est juste informé, il peut juste informer les autres. Ce n'est pas la même chose. Parce que la réalisation, c'est quelque chose qui est déjà approprié. Ça devient notre propriété. Ça veut dire que nous pouvons toujours l'appliquer dans n'importe quelle circonstance. Et cette connaissance, elle est toujours vraie. Peu importe les circonstances. Par exemple, vous connaissez que Krishna est absolu et après, on vous dit, et si, comme ça, et si, par exemple, je ne connais pas Krishna et Krishna est toujours absolu ou pas? Oui, il est toujours absolu. Donc, en fait, pourquoi? Parce que vous avez réalisé ça. Mais quand on n'a pas réalisé, on rencontre, par exemple, on est juste informé, hein. On rencontre un personnaliste, par exemple. C'est un personnaliste avec une logique très forte. Il commence à nous parler qu'en effet, Krishna n'existe pas parce que l'absolu ne peut pas être limité dans un corps. Il dit, oui, c'est pas bête ce qu'il dit. C'est vrai, si l'absolu
est sans fin, sans limite, comment il peut être limité par une forme? On dit oui, c'est vrai. Et on abandonne en fait cette idée que Krishna est déjà la personne suprême. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé ça. Nous avons juste eu une information sur ça. Vous voyez la différence? Bhumi Devi, comme une mère de milliers d'êtres vivants, elle est inquiète pour ses enfants. Voilà pourquoi elle donne le bon chemin pour dire que nous devons suivre le vrai chemin, le chemin authentique, et ne pas dévier par des théories séduisantes. Aujourd'hui, dans la conscience Krishna aussi, il y a beaucoup de dévots qui arrivent avec des idées séduisantes, beaucoup. Okay? Des idées très différentes, très séduisantes, en s'appuyant sur autres livres que Bhakti Shastri. Là, j'aimerais bien que vous écoutiez ça attentivement pour comprendre ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup dans les écritures védiques, il y a beaucoup de différentes catégories des écritures. Hein. Il y a par exemple les Dharma Shastra. Donc, Dharma Shastra, c'est les livres qui décrit les devoirs de chacun. Mais Dharma Shastra, ce qui contient Dharma Shastra, n'est pas 100% ce qui est écrit dedans, concerne les bhaktas. C'est-à-dire, elle ne donne pas toute l'information sur bhakti. Voyez? Prenons Gyana Shastra, par exemple. Okay, les livres sur la connaissance. Par exemple, les Jyotish, le livre sur l'astrologie védique, okay, c'est Gyana Shastra. C'est un manuel concret sur l'astronomie. Ou Ayurveda, par exemple, ce sont des manuels sur sa santé ou la bonne façon de vivre, etc. Mais ce n'est pas Bhakti Shastri, vous comprenez? Srimad Bhagavatam, c'est Bhakti Shastri. Chaitanya Charitamrita, c'est Bhakti Shastri. Donc, il nous montre la voie de Bhakti. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre mouvement, il y a beaucoup de dévots qui prennent, par exemple, Gyana Shastri, qui prennent, Dharma Shastra ou autre, et il commence de présenter comme Bhakti Shastra. Et les gens pensent que c'est ça la dévotion. Par exemple, ils pensent qu'être végétarien, c'est la dévotion. Ou ne pas fumer les cigarettes, si tu ne fumes pas des cigarettes, tu es déjà automatiquement un dévot. Non. Non, parce que il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool, qui sont des végétariens, qui suivent les quatre principes, ils ne rentrent pas dans les relations sexuelles illégales, etc. Ils ne jouent pas les jeux d'hasard, etc. Même ils sont dans Sattva Guna, mais ils ne sont pas des dévots. Il y a même des gens qui croient en Dieu. Mais ce n'est pas suffisant pour être un dévot. Ils sont juste des croyants, mais ils ne sont pas des dévots. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'on doit être, c'est là où on doit être prudent. Parce qu'être un dévot, ça veut dire s'abandonner au Seigneur suprême, et le servir avec amour et dévotion. Et ne plus avoir d'autres désirs. Vous comprenez? Tandis que celui qui est juste un croyant, par exemple, le démon Ravana était un croyant. Il croyait que Dieu existe. Shishupal, il savait que Dieu existe. Je ne sais pas, il y a plein. Hiranyakashipu était convaincu que Dieu Vishnu existe. En plus, il voulait le tuer. À quel point c'était concret pour lui. Mais il n'était pas un dévot. Juste croire
ou juste être un végétarien, etc., etc., c'est pas encore, ce n'est pas encore une condition nécessaire pour qu'on devienne un dévot. C'est pas suffisant, merci. Ce n'est pas suffisant pour être un dévot. Voilà pourquoi, en fait, un acharya comme Rupa Goswami, il donne, en fait, les conditions parfaites où nous pouvons devenir un dévot. La première condition la plus importante, c'est que tout ce qu'un être vivant fait, il fait pour satisfaire Seigneur suprême. Ça, c'est le plus important. Tous ces efforts, toutes ces actions qu'il fait doivent être dirigées vers lui. Et il faut que ça soit pour sa satisfaction. Autre condition, que à part cela, il ne doit pas avoir autre désir et autre voie. Par exemple, il ne doit pas en parallèle choisir la voie de Jnana ou la voie de Dharma, vous comprenez, ou la voie de Yoga. Okay? Ça sera un détournement, ça sera un écartement de Bhakti. Okay? Ça, c'est hyper important pour qu'on comprenne, parce que sinon, on va pratiquer quelque chose. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il explique ça dans la Chaitanya Charitamrita. Il dit que si on ne suit pas ces règles, ces conditions, nous pouvons pratiquer quelque chose qui ressemble à Bhakti. On peut la pratiquer très longtemps, vous savez, très très longtemps, en pensant que c'est du Bhakti. Mais ce n'est pas Bhakti. Ça veut dire qu'on va cultiver quelque chose qui ressemble à Bhakti, mais ce n'est pas un Bhakti. C'est comme les premiers disciples de Srila Prabhupada, ils ont acheté les graines de Tulasi, c'était écrit graines de Tulasi, ils ont planté, ils ont commencé à arroser, et après cette plante a poussé, et ils étaient tellement contents, ils faisaient tout la sipuja autour chanter, et quand Srila Prabhupada est venu, il a commencé à rire et ils ont dit, mais pourquoi vous riez Prabhupada? Il a dit, parce que c'est du basilic, c'est pas la tout la si. Voilà pourquoi, en fait, nous devons être très prudents pour ne pas dévier de ce voie. En fait, nous considérons comme Rupanuga, les suiveurs de Rupa Goswami. Pourquoi Rupanuga et pas par exemple, je ne sais pas, Gadadharanuga ou autre? Parce que c'est Rupa Goswami qui nous a montré vraiment la structure la plus nette, la plus stable de pratique de Bhakti. Okay? Et dans son livre Bhakti Rasamrita Sindhu, il donne toutes les structures que nous devons respecter pour pouvoir progresser dans le Bhakti. Sinon, nous allons devenir des bons végétariens, les bons pères de la famille, les bons femmes védiques, bons hommes védiques, un bon businessman, un bon gratificateur décent selon les règles védiques, etc. Mais il n'y aura pas de dévot. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu devait venir sur cette terre, il y a 500 000 ans, vous savez que dans la ville natale de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans Navadvip, en fait, il y avait la plus grande nombre des pratiquants de la spiritualité, le plus grand nombre. Il y avait la plus grand nombre des croyants qui lisaient, qui étudiaient, etc. Mais il y avait très très peu de dévots. Et cette petite quantité de dévots, très peu de dévots, ils ont trouvé le refuge chez Shri Advaita Acharya.
Et ils étaient complètement isolés parce qu'ils n'étaient pas compris. Parce que Bhakti était chassé. Tout était selon les règles. Par exemple, tu allais dans un temple comme ça, tout était nickel, puja était à l'heure, les paraphernales étaient comme il faut, les mantras étaient prononcés comme il faut, puja était qualifié dans son puja, tout était nickel, les brahmanas étaient qualifiés, mais il n'y avait pas de dévotion. Pourquoi? Parce que tout cela, on faisait ne pas pour satisfaire Seigneur Suprême, mais pour notre raison égoïste pour nous-mêmes. C'est ça les problèmes en fait qu'il y avait depuis X temps, on peut dire. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu, il a assaini en fait ce théâtre d'action, il a assaini en demandant ses disciples d'écrire les livres sur Bhakti. Okay. C'est très important qu'on comprenne parce que notre but, c'est pratiquer le bhakti. Srila Prabhupada est venu pour nous transmettre le bhakti et pour qu'on puisse cultiver un bhakti. Quand on étudie bhakti, il y a la description de bhakti. Et dans une des descriptions de bhakti, que bhakti est très rare. Srila Prabhupada disait que nous vendons du bhakti, donc entre guillemets, vendons. C'est pour ça que devant nos portes, il n'y a pas une queue. C'est comme dans les magasins où on vend des diamants. Vous ne trouverez jamais une queue. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel, c'est très cher et c'est rare. Il disait, bhakti aussi, c'est un diamant et chacun ne peut pas se permettre d'avoir de bhakti. Donc pour cela, il faut faire des efforts pour pouvoir en fait s'approcher à Bhakti. Bhakti est très rare. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, parmi des milliers de personnes, il y a très peu qui atteignent à la perfection. Et parmi ces peu qui ont atteint la perfection, il n'y a même pas un qui a compris qui je suis. Donc qui peut comprendre qui est Krishna? Celui qui pratique Bhakti. Hein? Tous les livres sacrés disent que pour comprendre qui est Krishna, il faut pratiquer Bhakti, service dévotionnel. Il faut servir Krishna avec beaucoup de persévérance. Il faut devenir très renoncé. En fait, le renoncement est très, très important. Si on n'est pas renoncé, on ne peut pas avancer dans notre vie spirituelle. Parce que nos sens, comme l'explique Srila Prabhupada dans ses teneurs et portées, nos sens ont une faculté de s'adapter et s'habituer très vite. Okay? Par exemple, quand quelqu'un fume une cigarette par jour, peu de temps après, il a besoin de 2 cigarettes. Et après, 3 cigarettes. Après, 5 cigarettes, etc., etc. Après, quand, par exemple, il ne peut plus fumer plus de cigarettes parce qu'il est au maximum, donc il cherche autre chose. Donc il fume et il boit son café. D'abord, c'est une tasse par jour, après 2 tasses, après 3 tasses. Après, il commence à chercher une jolie femme ou un joli homme pour s'associer avec lui. Parce que chaque fois, il faut augmenter et augmenter et augmenter. Pourquoi il faut augmenter la dose? Parce que nos sens s'habituent. Et l'âme a une nature d'aller vers la perfection. Pour cela, en fait, l'homme cherche toujours même la perfection dans la gratification des sens. Vous n'avez pas remarqué? Par exemple, on a inventé un téléphone à la fin du 19e siècle. On a inventé un téléphone. Tu arrivais, tu prenais, tu faisais drrrr, tu disais, s'il vous plaît, mettez-moi en liaison avec numéro 15.
On te mettait, tu parlais, après je disais merci, tu raccrochais l'autre. Ok, bon, la connexion était déjà rétablie. Après, non, on n'est pas resté là. Ça devait être plus parfait. Donc, à la place de faire on ne le fait pas, on tire le truc et après, ça compose les numéros. Après, on a dit non, il est trop grand, il faut faire plus plat, il faut qu'il soit sans fil. Après, le téléphone est devenu sans fil. Après, encore plus petit, encore plus... Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la perfection. Mais la perfection dans quoi? La perfection dans la gratification des sens. Et la gratification des sens va dans le sens complètement contraire de bhakti. Si bhakti va à gauche, gratification des sens, bhukti va à droite. Bhakti et bhukti ne peuvent jamais aller dans le même sens. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Okay. Voilà pourquoi, en fait, nous avons besoin d'être renoncés. Renoncer, pourquoi renoncer? Pour que nos sens, ne cherchent pas les gratifications encore plus sophistiquées, encore plus grandes. Parce que l'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dans l'Upadeshamrita, dans le nectar de dévotion, dans le nectar d'instruction, Rupa Goswami il prévient qu'il y a des choses qui nuisent gravement à notre évolution spirituelle. Et parmi ces choses-là, il dit qu'il y en a une, c'est quand on met trop d'efforts pour obtenir quelque chose de matériel. Par exemple, si on doit manger, donc on doit mettre minimum d'efforts, et ce qu'on peut obtenir par ce minimum d'efforts, ça doit être suffisant. Imaginez une personne qui fait des efforts, minimum d'efforts pour se nourrir, et il a juste une banane. Et l'autre personne fait aussi le minimum d'efforts, mais son minimum lui apporte aussi, je ne sais pas, des cerises, des samosas, etc., etc., etc. Plein de choses différentes. Okay? Pourquoi? Parce que nous avons 24 heures par jour, n'oubliez pas. Nous avons 24 heures par jour, et ces 24 heures, nous devons divisé pour notre sadhana, pour notre pratique. Par exemple, 6 ou 8 heures maximum, on doit consacrer à notre sommeil. C'est comme le budget financier d'une famille. Okay? Là, c'est le temps, 24 heures par jour. On n'a pas plus que ça. Personne d'entre nous n'a pas 32 heures par jour. Nous avons tous juste 24 heures par jour. C'est notre budget. On doit le bien séparer, notre budget. Pour le sommeil, on donne entre 6 et 8 heures. Okay? Qu'est-ce qu'il nous reste? 16 heures. Okay? 16 heures. 2 heures, on donne pour chanter Hare Krishna. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? 14 heures. 8 heures par jour, on donne pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il nous reste? 6. OK? Comme ça, non, ça rentre dans 2 heures. Parce que 1 heure aller, 1 heure retour, on chante notre tour. Comme ça, on économise le temps. Il nous reste 4 heures. 1 heure pour la cuisine. 1 heure pour étudier les livres. Une heure pour un peu ranger la maison, etc. Et une heure pour s'associer avec les dévots. C'est tout. C'est très peu. Ce serait très, très peu, vous savez. Et vous savez, et imaginez qu'à la place de 8 heures du travail, vous travaillez 16 heures. Donc, automatiquement, Hare Krishna saute. L'association avec les dévots saute. Mais je gagne plus et je mange plus et je mange mieux. Vous voyez?
et mon progrès spirituel devient encore plus petit. Et donc, le principe de Satana, parce que Bhakti, il passe trois... Hein? Donc, travailler moins, s'associer plus, s'il chante plus. Dormir moins. Il faut dormir. Donc, Bhakti passe trois étapes importantes. Donc, première étape, c'est Sadhana Bhakti. Okay? Deuxième étape, c'est Bhava Bhakti. Et troisième étape, c'est Prema Bhakti. Donc, Sadhana Bhakti peut nous amener à Bhava Bhakti. Sous condition, si on fait tout correctement. Faire correctement, ce n'est pas juste se lever à l'heure. Ça, c'est important, mais pas juste ça. Se lever à l'heure, être végétarien, etc. Il faut quelque chose de plus. Il faut que chaque notre action soit accompagnée d'un sentiment correct. Quand on dit qu'il faut chanter attentivement Hare Krishna, ça ne veut pas dire juste faire comme ça. C'est pas ça. Attentivement, ça veut dire quand je chante Hare Krishna, il faut que ça soit accompagné d'un sentiment correct. Quel est ce sentiment? Hare Krishna, Hare Krishna. Je vois que Krishna entend. Ah, attends. Non, entend. Entend ce que je suis en train de dire. Et sûrement, il est content que je suis en train de dire Hare Krishna. Il est content. Et mon maître spirituel est content aussi parce que je dis Hare Krishna. Les dévots sont très contents aussi que je dis Hare Krishna. Et je suis content que tout le monde est content. Ça, c'est un bon sentiment qui accompagne. Quand je dis Hare Krishna, je dis Radha entend aussi. Elle est très contente parce qu'elle aime Krishna. Elle est très contente. Bon, c'est un sentiment qui accompagne. Par exemple, quand on cuisine, on doit accompagner ce processus d'un sentiment de plaire à Krishna. Par exemple, les dévots qui ont ces sentiments, par exemple, ils cuisinent des biscuits et après ils disent « Mais nos mortis sont trop petits comme ça. Comment ils vont manger des biscuits comme ça ?» Et spécial, ils font des biscuits tout petits comme ça. Hein? Je connais les dévots comme ça. Ils font des biscuits tout petits, minuscules comme ça, et après ils donnent à leur mourti parce que leur mourti est petit. Ça, c'est un sentiment correct, juste qui accompagne, naturel, important. Parce que sinon, juste, vite, comme ça, tout est fait. Maintenant, j'ai tout fait. Où est Bhava Bhakti? Pourquoi Bhava Bhakti ne va pas? Parce qu'il fallait accompagner par ces sentiments. Quand on dit qu'il faut faire des efforts, en fait, parmi les efforts physiques, il y a aussi des efforts, il y a des efforts aussi sentimentaux, entre guillemets. Hein. C'est pour ça qu'il y a trois types de trois types de formes de pratique hein, de bhakti qui est divisé en trois. Donc je vais juste vous citer, on n'aura pas le temps pour dire, mais dans le futur, si vous voulez, je vais parler. Il y a Cheshtarupa, Bhavarupa et Abhavarupa. Donc Cheshtarupa, c'est en fait les efforts qu'on fait à travers notre corps. Bhavarupa, c'est tous les efforts qu'on fait avec nos sentiments, avec le mental, intelligence et ego. Et Abhavarupa, c'est encore plus compliqué, c'est des choses que nous ne faisons pas. En fait, Abhavarupa, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, je n'offense pas les dévots. Je fais quelque chose, mais je ne fais pas cette chose-là. Par exemple, je n'offense pas les dévots. Ou je ne comment ça se dit? Je ne contamine pas
la nature. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais c'est aussi une action. Donc, c'est dans la catégorie Abhavarupa. Donc, c'est trois formes, en fait, Cheshtarupa, Bhavarupa et Abhavarupa, c'est trois formes de pratique de bhakti. Et en fait, Bhavarupa, ça, c'est vraiment cette forme de bhakti qui accompagne tous les efforts que nous faisons à travers notre corps. Okay? Des fois, on peut avoir tous les trois en même temps. Okay? Donc, encore une petite chose importante. Gilles Prabhupada, dont l'exemple de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui disait « Chacun parmi vous doit devenir un maître spirituel. » Et souvent, les dévots disent « Voilà, il faut devenir un gourou, il faut absolument prendre sannyas ou absolument faire tout pour qu'on donne la possibilité d'initier les autres. » Non. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu disait que chacun doit être un gourou, il voulait dire « Chacun parmi vous doit... cultiver les qualités de gourou. » Parce que gourou, c'est pas la position. Gourou, c'est pas la position. Gourou, c'est les qualités. Voilà pourquoi dans le nectar d'instruction, Rupa Goswami ne dit pas « Celui qui a un danda et qui est nommé gourou, il peut recevoir les disciples. » Non. Pourquoi ? Celui qui contrôle ses sens, les impulses de son mental, de la langue, des génitaux, de son estomac, etc., il peut accepter les disciples dans le monde entier. Ça veut dire qu'il commence par les qualités. Parce que guru, ce n'est pas une position, guru, c'est les qualités. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu disait « Chacun parmi vous doit devenir un guru. » Ça veut dire qu'il doit développer ses qualités en lui. Okay. Donc, tu dois devenir un gourou. Donc, le verset suivant. Au roi bien-aimé, le semence, le racine, le plante et le céréales qui feront jadis créés par Brahma sont maintenant exploités par des abhaktas dénués de toute intelligence spirituelle. Verset suivant. Au roi bien-aimé, non seulement les abhaktas s'apparent les céréales et les plantes, mais en ce qui me concerne, on ne s'occupe pas convenablement de moi. À vrai dire, je suis négligé par des rois qui ne punissent pas ces coquilles qui se sont transformées en pilars pour avoir utilisé les céréales dans un but matériel. C'est la raison pour laquelle j'ai caché toutes ces semences qui étant destinées à l'accomplissement des sacrifices. Merci. Donc, en fait, ces deux versets nous expliquent que la mère Terre prend soin de tous ses enfants, de tous ceux qui vivent sur son corps. Okay? Et les porte. Hein? Comme chaque mère porte son enfant ou dans son ventre ou sur ses bras, de la même façon, en fait, la terre porte en fait tous les êtres vivants sur elle-même. Et comme c'était expliqué, les matérialistes, en fait, qui sont les matérialistes? Les matérialistes, c'est pas seulement ceux qui ne croient pas en Dieu. Les matérialistes, c'est ceux qui pensent que tout est pour eux. En fait, le ciel existe pour eux, le soleil se lève pour eux, la mer existe pour eux, cette femme existe pour devenir sa femme, cet homme existe pour devenir son mari, je ne sais pas, les bananes existent pour lui-même. En fait, tout est pour moi. Cette idée définit le vrai matérialiste. Okay. Tout est pour moi. Ça, c'est
le concept de matérialisme. Parce que souvent, les gens pensent que les matérialistes, c'est ceux qui pensent que il y a la matière. Oui, même les transcendentalistes, ils savent qu'il y a la matière. Même les transcendentalistes, ils connaissent bien l'énergie matérielle, comment l'énergie matérielle fonctionne, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle se manifeste. Tous les transcendentalistes connaissent ça, mais ils ne deviennent pas matérialistes à cause de ça. Donc, matérialiste, c'est celui qui pense, par son ignorance, pense que toute cette matière, c'est pour lui. Ça sert à lui. Et il se permet penser que quelque chose lui appartient. Dans l'histoire de Bali Maharaj, après quand Bali Maharaj était, entre guillemets, humilié par Vamana Dev, il a perdu en fait tout l'univers et Vamana Dev devait le punir. Sa femme, Vidyavali, a dit une chose très intéressante. Elle a dit que par erreur, nous pensons que nous possédons quelque chose dans ce monde matériel. Ça, c'est une faute. Donc, parce que son mari aussi, il pensait qu'il possède tout cet univers parce que, bon, entre guillemets, cet univers était sous sa disposition. Il était le roi de tout l'univers, Bali Maharaj. Donc il pensait que ça lui appartient et il pensait qu'il peut donner quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Parce que, avec un peu d'orgueil, il a dit à Vamanadev, viens le jeune Brahmana, demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Et Krishna lui a montré qu'en fait, comment tu peux donner si rien t'appartient. Et comme ça, il a tout pris. Il a tout pris de Bali Maharaj pour lui montrer que rien t'appartient. Cette idée qu'il y a quelque chose qui m'appartient, c'est ça, en fait, être matérialiste. Et pas ignorer la matière. Non, on n'ignore pas la matière. On sait qu'il y a l'énergie matérielle, il y a l'énergie spirituelle, il y a le monde matériel, il y a des ordinateurs, il y a de l'électricité, etc. Mais ça ne doit pas nous transformer en matérialiste pour qu'on pense que oui, ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, ça c'est à moi. Transcendentaliste, il comprend que tout vient de Dieu et tout lui appartient. Si il y a quelque chose à ma possession, c'est pour que je puisse lui offrir ça ou mettre à son service pour lui faire plaisir. Si j'ai une voiture, cette voiture doit faire plaisir au Seigneur. Elle n'est pas la mienne, elle est la sienne. Hein? Comme par exemple, quand vous allez au travail, vous vous servez de l'ordinateur de l'entreprise. Okay? Mais parce que c'est vous qui l'utilisez, ça ne veut pas dire qu'il est votre ordinateur. Il y a l'argent qui rentre dans une banque dans laquelle vous travaillez. C'est vous qui distribuez, calculez, etc. Même c'est vous qui manipulez cet argent, mais ça ne veut pas dire que cet argent est votre. Pareil, tout ce que nous avons sous nos possessions, y compris notre corps, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Krishna. Parce que si ça nous appartenait, on pouvait le garder tout le temps. Mais le moment arrive et Krishna dit « Stop, je t'ai donné ce corps pour 80 ans, maintenant, je te le reprends. » Mais si tu penses que ce corps te t'appartient, essaie de le garder. Et il le prend, mais on voit qu'on ne peut plus garder. Quoi qu'on fait, on ne peut plus garder. Krishna nous le reprend, ce corps. Okay? C'est ça, en fait, l'idée de matérialisme. Et Pumi, la mère Terre, elle dit qu'il y avait... Jusqu'à aujourd'hui, il y avait tellement de personnes qui étaient matérialistes, qui pensaient à cette façon que, en fait, ce qu'ils possèdent, ça leur appartient, mais ils ne savaient pas. C'est pour ça que je ne pouvais pas collaborer avec eux. Je ne pouvais pas collaborer avec eux et j'avalais tout,
tous les grains, etc., etc. Eux-mêmes, tout ce qu'ils s'aimaient, tout ce qu'ils produisaient, ils gardaient pour eux-mêmes aussi. Et moi, j'ai montré aussi, et si moi aussi je garde comme ça pour moi-même, qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils comprennent. Okay, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit que chacun doit faire son devoir. Et imaginez, dit Krishna, et si moi j'arrête de faire mon devoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même principe que Bhumi, la mère terre, elle montre. Et si moi aussi je vais devenir une matérialiste, ça veut dire moi aussi je vais tout garder pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Okay, comme ça, elle a montré en fait. Nous ne devons pas devenir un matérialiste. Et elle explique qu'en fait, le sens d'avoir le bien, c'est pour qu'on puisse faire le sacrifice. Ça veut dire tout offrir à Seigneur Suprême et tout utiliser pour son plaisir. Okay. Donc, ou tout court, elle dit qu'en fait, tout le monde doit agir comme un dévot. Ok, Hare Krishna, si vous avez des questions. J'ai deux questions en fait. Est-ce que de l'état de croyance à un état stagnant, alors ça peut évoluer? Et aussi, quand tu disais que il y avait l'Ayurveda, est-ce que par exemple, souvent on utilise quand même l'Ayurveda pour apprendre à mieux utiliser son corps pour le service dévotionnel? Donc est-ce que ça veut dire que même s'il ne faut pas en faire ces enseignements-là des choses principales, on peut quand même les utiliser? Bien sûr. Bien sûr, en fait. Et Dharma Shastra. Et Jnana Shastra, Yoga Shastra, ce sont des livres et des connaissances tout à fait utiles. Tout à fait utiles. Mais on doit l'utiliser comme un instrument de bhakti et pas le présenter comme bhakti. Je vais vous donner un exemple, vous comprendrez tout de suite. Par exemple, Sankhya philosophie utilise Jnana dans le bhakti. Ok? Mais c'est pas un enseignement de Jnana. C'est un enseignement de bhakti. Si vous, ceux qui se souviennent bien, vous vous souvenez quand Kapiladev commence la philosophie Sankhya, par quoi il commence? Qu'est-ce qu'il explique en premier? Il glorifie le bhakti. Voilà! Il commence par glorifier bhakti, présente bhakti. Okay? Et il dit que bhakti, en fait, n'importe quel outil peut servir à un bhakta. Par exemple, une chaise en plastique peut devenir un instrument pour bhakti. Un instrument, pas la méthode. Okay? Ni Ayurveda, ni astrologie, ni psychologie, ils ne peuvent pas être comme méthode pour bhakti. Ils peuvent être outils, mais pas méthode. C'est ça notre, en fait, faute principale. C'est qu'on essaie de l'utiliser comme méthode. Et on dit, voilà, on va commencer par Ayurveda, petit à petit. Mais quand vous commencez par Ayurveda, vous proposez comme une méthode. Vous comprenez? Et ça veut dire qu'on a déraillé tout de suite. Mais, par exemple, ici, quand on étudie Srimad Bhagavatam, est-ce qu'on ne parle pas d'astrologie? Bien sûr. Est-ce qu'on ne parle pas d'Ayurveda? Bien sûr. Est-ce qu'on ne parle pas de yoga? Bien sûr. Mais ce sont juste les éléments, les outils qu'on applique pour le but de bhakti. Et le meilleur cas, c'est par exemple philosophie Sankhya. Parce que, en fait, elle explique comment le monde est construit, tout en fait. Tout ce qu'il y a dans ce monde,
matériel, tout est expliqué. Mais cette explication est pour qu'on découvre Dieu et on distingue l'âme. Hein? N'est-ce pas? Parce que quand on commence à étudier l'apparition ou la création de ce monde, on arrive à ce que Dieu a créé, on découvre Dieu, on découvre Dieu. Mais en fait, le jnana n'est pas utilisé comme méthode. Okay. En principe, ok. Mais pas comme ça, on utilise la psychologie, tu vois, et on fait les sciences de psychologie, etc. Et on dit, voilà, comme ça, cette personne va venir petit à petit, et après, je vais lui introduire le bhakti. Il n'est pas venu pour le bhakti, il est venu pour la psychologie. Une personne qui est venue et qui est restée et qui est devenue bhakta, soyez sûr, même si vous le prêchez bhakti direct, il resterait. Pourquoi? Parce que bhakti, c'est quelque chose qui est attirant pour lui. Les autres vont partir tout de suite. En fait, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'on a eu cette expérience. On a eu cette expérience. On croyait que, parce qu'on n'a pas encore étudié les livres de Rupa Goswami à cette époque-là, on n'avait pas ces livres-là. On avait juste la Bhagavad Gita. Et on avait le premier chant de Srimad Bhagavatam. Et comme ça, par le manque d'expérience dans le bhakti, on pensait comme ça qu'on va commencer par Ayurveda, etc., etc. Et on a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Quels étaient, en fait, les mauvais résultats de cette erreur? Que ceux qui n'ont pas plu, à qui bhakti n'a pas plu, ils sont partis tous. Dans le cas où tout le monde restait, le bhakti a disparu. On commençait à pratiquer la psychologie à la place de bhakti. On pensait que c'est ça, bhakti. Et il y en avait plusieurs, encore plus, des, entre guillemets, des bhaktas, mais qui n'étaient pas des bhaktas, mais c'était des psychologues, astrologues, etc. Et le mouvement grandissait encore plus et encore plus. Et après, quand tu vois que ce n'est pas des bhaktas, ils sont même, n'étaient pas même dharmis. Ce n'étaient même pas des dharmis. C'était des gens qui venaient pour trouver la solution pour comment on peut régler les affaires familiales. Par exemple, entre mari et femme, comment bien éduquer les... Ce n'est pas mauvais. Bien sûr que c'est intéressant. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas du bhakti. Et du coup, ce mouvement devient... prend la place de bhakti, ils arrêtent de lire les livres de Srila Prabhupada. Il y a plein de nouveaux livres qui sont sortis. Comment réussir dans notre business, Veda vous expliqueront. Comment, je ne sais pas, devenir un bon astrologue, comment faire ceci, comment faire cela, comment avoir la bonne santé, comment enlever les boutons de sa peau selon la méthode védique. Tout l'espace est pris, et tu dis, où sont les livres Prabhupada? Dans le placard, mais si vous en voulez, on peut vous donner. Vous comprenez où on arrive? C'est vraiment un problématique. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à utiliser les outils comme méthode. Ce n'est pas une méthode, c'est juste un outil. On peut tout utiliser dans le bhakti, tout. N'importe quel objet, même les mensonges, on peut utiliser dans le bhakti. Oui, par exemple, Krishna a utilisé la mensonge dans le champ de Kurukshetra. Il a utilisé le mensonge. Il a dit, vous devez annoncer que Ashwatthama est tué, le fils de Dronacharya. C'était le mensonge. Okay? Mais la mensonge, le mensonge. Mais le mensonge n'est pas une méthode de bhakti. Mais ils ont pris le mensonge et Bhimasena, il a tué l'éléphant qui s'appelait Ashwatthama. Et il a crié, j'ai tué Ashwatthama. C'était un mensonge, mais ce n'était pas un mensonge, parce que c'est vrai qu'il a tué Ashwatthama, mais c'était un éléphant. C'était pas le fils de Dronacharya. Mais il a utilisé mensonge pour en fait, servir Krishna, parce que c'était en fait le désir de Krishna pour qu'il gagne.
Et puis, quand Dronacharya a entendu que son fils est tué, il a posé son arme. Dès qu'il a posé son arme, on l'a tué. Parce que quand on a posé la question « Comment on peut te tuer ?», il a dit « Vous ne pouvez pas me tuer. Tant que j'ai l'arme dans mes mains, personne ne peut me tuer. Dès que je dépose mon arme, vous pouvez me tuer. » Et Krishna dit « Ok, on va appliquer un mensonge. » Et en fait, il a appliqué un mensonge. Mais encore une fois, ce n'est pas que « Oui, donc il y a sadhana bhakti, après mensonge bhakti. » Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est n'importe quelle chose peut devenir un outil pour pratiquer bhakti. Tout on peut utiliser pour servir Seigneur Suprême. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas devenir une méthode. Par exemple, chanter Hare Krishna, c'est une méthode. C'est une méthode. Écouter Srimad Bhagavatam, c'est une méthode. Vous comprenez? Raconter Bhagavad Gita, c'est une méthode. Servir Krishna à ses pieds, lui offrir légumes, fruits, etc. C'est la méthode. C'est une méthode. Oui. Mais dire, par exemple, le couteau, c'est prakti. Non, c'est un outil dans le prakti. Vous comprenez? Il y a aussi la question si un croyant c'est un état stagnant ou alors. Ah oui. Un croyant peut être toute la vie un croyant, mais jamais devenir un dévot s'il ne rencontre pas les dévots. Dès qu'il rencontre les dévots, parce que pour avoir bhakti, il faut un bhakti. Si tu rencontres jamais dans ta vie, tu ne rencontres jamais une personne qui a de bhakti, tu ne seras jamais contaminé de bhakti. C'est comme un virus. Si tu ne rentres jamais en contact avec avec quelqu'un qui a un Covid, tu ne tomberas jamais, tu ne vas jamais attraper Covid. Pareil, le bhakti. Si tu ne rencontres pas quelqu'un qui est un bhakta, qui a dans son cœur de bhakti, tu ne risques pas d'être contaminé. Okay. Tu vas rester toujours croyant, croyant, croyant. Merci. Okay. Tout à l'heure, tu as présenté sur comment on va chanter et faire le service avec cet sentiment. Et après, on me dit, pas juste faire tac, 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 ah, c'est bon, je vais. Ça me rappelait, moi, quand je disais le livre, parce que je fais comme ça, tac, 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 je fais le livre, il va rentrer et je chante. Et donc, je me rappelle, la fois, je parlais à des gourous, et ils me disaient, je disais, mais c'est trop dans la passion, on disait plein de livres, mais c'est de la passion. Il me disait, il m'a donné mon réponse, et le mouvement que Prabhupada avait créé, ce n'était pas fait dans la vertu, il y avait plein de passion. Et ma question aussi, donc, c'est par rapport à ça, et comment comprendre ça, déjà. Et la deuxième partie, c'est aussi comprendre la place de la prédication dans la vie de Sadaka. J'ai récemment vu une conversation entre Mark Krishna et Yannick Sanis, vous présenter puis en fait, toutes les prédications, les réunions administratives, les agents en tant que GBC, tout ça, c'était, comme tu disais, un outil pour amener au Anga direct de Shravanam Kirtanam. Comment comprendre le place du rôle de la prédication, l'activité de soit distribuer des livres, donner des classes? Pour moi, c'est spécialement une discussion. C'est une question très importante. En fait, Pakti, c'est une action de l'intérieur, parce que c'est un état d'intérieur, Pakti, et pas une activité professionnelle. Des fois, on dit nos distributions de livres ont distribué 300 Bhagavad Gita. On dit waouh! Après, la semaine suivante, on dit. Et cette semaine, on a distribué 2000 Bhagavad Gita. Waouh! Mais nous ne sommes pas des vendeurs de livres. Vous comprenez? Le plus important, quand vous venez après la distribution, vous dites, il y avait quelqu'un qui m'a posé plein de questions.
plein de questions. Et même il a demandé ça. Il pleurait à la fin. Pourquoi tout ce que vous racontez, c'est génial, mais pourquoi ça ne m'intéresse pas? C'est dommage que ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une réussite. Même s'il a, il est parti sans prendre le livre. Parce que la distribution de livres, ce n'est pas une vente. C'est une prédication. Par exemple, quand on donne le prasad, c'est aussi une prédication. Il y a des gens qui peuvent distribuer le prasad d'une façon qualifiée et pas qualifiée. Par exemple, quand vous donnez le prasad, vous devez accompagner ça avec une émotion que Krishna m'a donné cette assiette pour que je vous donne. C'est Krishna qui m'a donné. Et celui qui reçoit, il doit recevoir. Krishna m'a donné une assiette de prasad. Vous voyez, ça c'est une prédication. Tout est la prédication. Tout ce que nous faisons, même quand on fait le compte rendu, etc., on doit faire ça et ça devient une prédication. Parce que, par exemple, moi quand je vois comment Jiva Prana a fait les comptes rendus, etc., donc je suis en admiration parce que moi, peut-être même pour Krishna, je ne ferai jamais ça. Je ne suis pas capable. Tu vois? Pour moi, c'est, je préfère aller à l'enfer, tu vois, que rester devant ces machins-là, des trucs administratifs. Voyez? Donc, quand je vois comment, avec quel courage il le fait, avec quelle inspiration il le fait, ça me donne envie de faire bhakti aussi. Tu vois? Donc, mais... Et Adiguru Prabhu, il a raison. Aujourd'hui, on s'est éloigné beaucoup de cette notion que la distribution des livres, c'est une partie de notre sadhana. On ne doit pas être attaché aux chiffres. Voyez? Par exemple, chaque jour, je dois distribuer les livres 3 heures et je dois le faire. Et mon but, essayer de faire connaître les gens qui est Krishna. Pas le vendre. Et puis tu arrives, waouh, 300 bhagavad-gita, super. Waouh, toi, 1000, waouh, 2000, encore. Non. Mais à combien de cœurs tu as touché? Combien de cœurs tu as touché? C'est ça qui est plus important. Je ne parle pas de disais toujours. Même, si on peut... dans l'histoire de notre mouvement, si on peut transformer une personne en dévot, notre mission est déjà accomplie. Une personne, il n'a pas dit milliers, il a dit une personne, notre mission est accomplie. Donc, on doit être soucieux, quand on fait la distribution des livres, on doit être soucieux, faire un service dévotionnel. Ça veut dire être à la disposition des gens pour leur expliquer qui est Krishna, pourquoi est Krishna, etc. Même si on n'a rien distribué, mais plein de gens ont entendu qui est Krishna, plein de gens ont vu que ce livre existe, que là, il y a Arjuna et Krishna, etc. Tout cela, en fait, a abouti. Nous avons abouti. Vous comprenez? Parce qu'un jour, quand il va se sentir mal, il va se souvenir, ah, il y avait un type bizarre habillé en jaune, il m'a dit que dans ce livre-là, comment ce livre s'appelait? Et il commence à taper plein de trucs, jita. Il trouve, oui, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai cherché. Voilà. Mais quand ça se transforme en championnat de vente de livres, etc., vendre plus, ça ne sert à rien. Vous pouvez penser que moi, je suis contre la distribution des livres. Non. Mais il ne faut pas que ça devienne une vente des livres. Parce que le nombre de dévots ne va pas augmenter juste proportionnellement au nombre de livres vendus. Vous savez combien de Bibles existent dans le monde entier? Des milliards. Vous savez combien de millions... Combien de millions de Bhagavad Gita nous avons distribués déjà depuis que Srila Prabhupada est... 500 millions. 500 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a 500 millions de dévots? Non. On a 1 million.
Vous voyez? Ou 500 millions ou 1 million. Ok? C'est pas mal. imaginez, on a combien de personnes sur la Terre? 7 milliards. Imaginez que nous avons, la semaine prochaine, on va distribuer 7 milliards. Et chaque personne a une Bhagavad Gita chez lui. Est-ce qu'ils vont devenir tous des dévots? Non. Tant que vous ne mettez pas votre dévotion dans leur disponibilité, ils ne vont jamais devenir un dévot. Vous comprenez? Vous pouvez me dire, bah, bien sûr, Srila Prabhupada a donné des commentaires, Krishna prêche lui-même dans la Bhagavad Gita. Oui, ça va durer un petit moment. Ça va durer un petit moment. Après, il va mettre dedans, il va aller dans son café, il va boire sa boisson, il va manger son poulet, etc. Mais dans la vie suivante, cette personne va rencontrer un dévot qui va lui parler de Krishna. Parce qu'on ne peut pas dévier le dévot. Vous comprenez? C'est impossible. Vous ne pouvez pas dévier le dévot. Pour devenir un dévot, il faut un dévot. Comme pour faire un yaourt, il faut du yaourt. Vous comprenez? Mais ça veut dire qu'il a déjà rencontré, on l'a donné le livre et tu dis la prochaine, il aura la chance. Oui, si il a donné aussi Pakti, il a parlé de Pakti. Mais imaginez que vous allez sur l'Internet, il y a Bhagavad Gita, livre spirituel, machin. Tuc, je commande, j'achète, j'ouvre. Je comprends rien. Il a posé. C'est fini. Parce que Bhakta n'était pas là. Bhakta n'a pas participé à ce processus. C'est Bhakta qui donne Bhakti. Encore une fois, pour faire un yaourt, il faut du yaourt. Vous ne pouvez pas faire le yaourt avec, je ne sais pas, avec du riz ou autre chose. Les vegans, si. Sans revenir encore à la compréhension de la prédication, de ce que tu as parlé, j'ai compris que le fait de prédiquer, faire prêcher. Donc en fait, c'est de transmettre la réalisation spirituelle qu'on a à notre personne. Mm-hmm. La deuxième partie de la question que j'avais, quelle est la place de la prédication dans les angles de Bhakti? Parce que Sharanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Atman Nivedanam, il n'est pas là. Bon, bien sûr qu'on prêche sur notre Kirtanam parce qu'on ne parle pas de Krishna. Mais quelle est la place de la prédication dans la vie d'un sadhaka? Parce qu'il y a beaucoup de Gostyanandis, de Bhajanandis qui n'ont jamais prédiqué et qui ont aussi leur place en croyance spirituelle. En fait, nous pouvons avoir différents cas des dévots, Et dans la Bhagavad Gita, Krishna donne sa préférence pour certaines catégories de dévots. Vous vous souvenez le verset? Celui qui donne cette connaissance transcendantale à mes dévots, c'est mon dévot préféré. Tu te souviens de ce verset? Voilà. Tu vois? Ça ne veut pas dire que celui-là qui est Bhajanandi, comme tu as dit, il est plongé dans son bhajan, il ne voit personne, etc. Il ne va pas aller dans le monde spirituel. Bien sûr qu'il va aller. Mais il ne va pas avoir la même position que celui qui veut que tout le monde connaisse Krishna, que tout le monde goûte le nectar de Krishna. Krishna dit, celui-là me plaît plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de nectar. Il y a plus de nectar, en fait. Pourquoi? J'explique pourquoi. Il y a des plats, en fait, il y a des plats qui deviennent encore meilleurs par certains ingrédients. Par exemple, si vous prenez le riz, il est très bon, le riz même. Hein. Mais quand on ajoute dans le riz un peu de lait, il devient encore meilleur. Quand on ajoute dans ce mélange, on ajoute du sucre, il devient encore meilleur. Quand on ajoute un peu de vanille, il est encore plus extatique. Un petit
goût de camphre dedans, c'est encore un petit goût de autre chose. Après, quand on le met sous la lumière de la lune, encore meilleur. Après, quand on le place dans le frigo, encore meilleur. Donc, et après, quand un dévot extatique goûte, il devient encore meilleur. Donc, c'est pas le cas, en fait, un exemple bon, qui contient que des éléments spirituels, ce sont des éléments matériels, mais ça donne la structure. Plus des dévots, en fait, amènent leur participation dans ce lila, en fait. Donc, parce que quelqu'un qui raconte, hein, qui fait kirtanam, qui raconte cette, ou qui transmet cette connaissance sur Krishna, en fait, il transmet le nectar. Et ceux qui écoutent, en fait, ils partagent ce nectar. Et ce nectar devient plus extatique, il est plus savoureux. Il y a un phrase qui me vient toujours en tête, c'est Aindra, qui disait le mieux, Bostianali, c'est le Bajanali. Ce qu'il donne, c'est quelque chose pour moi qui a du sens, parce que la personne qui est en train de parler, on va donner ce qu'il a réalisé dans son Bajan. Si on parle beaucoup, 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 mais on n'a rien réalisé, bon, on a des choses superficielles. Mais si on a en profondeur dans notre bhajan, dans notre connexion au Saint-Nom, c'est pour ça aussi, preaching the overflow. On va prédiquer comme overflow. C'est qu'on remplit le verre, oui, c'est que ce qui se passe. Oui. En fait, quand le verre déborde. Voilà, déborde. Jésus-Christ aussi. Donc, je me disais qu'en fait, c'est pas juste être un ou l'autre, mais c'est comme tu disais, il y a différents styles de dévots, et c'est plutôt un style de vie que l'on construit selon notre personnalité. C'est très individuel le chemin de bhakti. Oui, mais aussi Jésus-Christ parle de ça aussi dans les évangiles. Il dit la bouche parle quand l'âme est pleine. Quand ça déborde, ça arrive à nous, et puis quand ça déborde, ça commence à sortir. Okay. Mais en effet, vous savez, dans les rasas, par exemple, dans les rasas, chaque rasa est parfait et chaque rasa a de la valeur. Il n'y a pas meilleure rasa ou pire rasa. Pourquoi? Parce que chaque rasa apporte 100% de satisfaction à un dévot. 100%. Quand on dit, par exemple, moi, toute la race est plus élevée, etc., ça ne veut pas dire que l'autre est pire. Non. C'est que, parce que Mathura Rasa contient beaucoup plus de possibilités que les autres. Beaucoup plus de possibilités. Mais, par exemple, cette catégorie de Bhajanandi, c'est les gens, en fait, que nous trouvons plus dans la relation neutre avec Shri Krishna. Plus Shantarasa. Plus j'explique pourquoi. Oui, ne pensez pas que nos acharyas, ils ont tous été dans Mathura Rasa. On avait des grands acharyas qui étaient aussi dans Dasya Rasa, dans Sakya Rasa. Il y a tous. Et Prahlad Maharaj, il est dans Dasya Rasa. Et quatre Kumars sont dans Shantarasa. Et ça n'abaisse pas. Ne pensez pas que c'est comme ça. Mais, par exemple, vous n'allez pas voir que les quatre Kumars viennent dans les endroits où il y a beaucoup de festivités, il y a 150 personnes. Par exemple, dans le divertissement de Govardhana Lila, on ne voit pas les quatre Kumars. Ce n'est pas leur humeur. Ce n'est pas leur humeur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvais dévots, etc. Non. Question à moi, au niveau pratique, ce qui me crée un peu de frustration et mal au cœur, c'est parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai une inclination assez particulière. J'ai essayé peut-être de lui passer, je ne sais pas, de faire sadhana, de faire bhajan. Je suis un prédicateur, je vois tous les jours dans la rue. Et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi le mouvement que Srila Prabhupada a créé,
c'est parfait en soi. Pourquoi on met tellement d'emphase dans la prédication? Et quand je vois, parce que j'ai joindre dans d'autres marques, donc on voit qu'il y a beaucoup d'emphase dans notre pratiquant de la Gaudiya Vaishnavisme qui met aussi l'emphase dans les pratiquants. Plus d'importance. Donc, pourquoi dans l'ISKCON, dans le mouvement de Srila Prabhupada, on met un peu de « ouais, il faut faire tout le service, il faut prêcher, il faut nettoyer ça, il faut acheter ça, et après tu fais des tours. » ça me frustre un peu parce que ce sont des ISKCON, que dans les autres, il y a un peu plus. Moi, je peux te dire que en fait, le mouvement de Srila Prabhupada de début, et le même mouvement de Srila Prabhupada aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ok ? Ça, c'est un. Et puis, beaucoup d'instructions de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada a laissé beaucoup, beaucoup d'instructions, mais une partie de ces instructions était temporaire. C'était des instructions du moment. Mais il y avait des instructions qui sont éternelles. Par exemple, chanter Hare Krishna, c'est une instruction éternelle. Ce n'est pas qu'un jour on va arrêter. Mais par exemple, quand il disait n'allez pas voir les autres maths, c'était une instruction temporaire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous faibles. Le mouvement d'ISKCON était encore faible, il n'était pas encore établi. Et si tout le monde allait voir tel mat ou l'autre, un gourou, l'autre gourou, cinquième gourou, dixième gourou, etc. Donc, en fait, le mouvement ISKCON ne pouvait pas s'établir. Si par exemple quelqu'un disait « moi je suis disciple de Srila Prabhupada » et l'autre disait « moi je vais aller voir d'autres gourous, l'autre gourou, 150 gourous » donc le mouvement sera séparé et divisé en 150. En fait, chaque mouvement c'est un sangha. Pour que son sangha soit établi, on doit rester autour d'une humeur, d'un gourou. S'il y a 150 gourous, donc il y aura 150 sanghas. Normalement, c'est le principe qu'on avait depuis toujours et qui doit vivre toujours. Srila Prabhupada n'a pas interdit qu'on ait 150 sanghas. Et aujourd'hui, nous voyons que dès que la structure devient grande, dès qu'un sangha devient immense, donc on est obligé d'y appliquer l'administration. Dès qu'on applique l'administration, c'est ce que tu as dit. Donc en fait, l'essentiel commence à partir. On devient une entreprise qui fonctionne en grande échelle. Ça n'existait jamais. Il y avait toujours des petites structures, des petites structures de sangha. Par exemple, les grands temples en Inde ou en Orient qu'on construisait, ce n'était pas l'endroit de sangha. Vous ne pouvez pas avoir sangha qui contient 150 000 personnes. C'est impossible. Toujours les sanghas, c'est une petite quantité de gens. C'est pour ça que, par exemple, un module comme yoga lyrique, pour sangha, c'est le meilleur. Mieux avoir, par exemple, à Paris, avoir 200 yoga lyriques qu'un énorme, à 50 mètres de hauteur, 1 km de largeur, etc., et mettre tout le monde dedans. Non. Parce que là, ça devient très formel, ça devient très formel, et gourou n'a pas d'accès à son disciple. Vous comprenez? Tandis que tu parlais de satana, donc satana doit être établi avec gourou. Chaque fois, par exemple, dans les courts durées de temps, chaque fois, satana doit être revu avec gourou. Le disciple arrive et dit, Maharaj, là, je suis, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des corrections sur mon satana. Qu'est-ce que vous me disiez? Sur quoi je dois travailler? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois ajouter? Etc. Chaque disciple doit établir son satana avec son gourou. Vous comprenez? Mais quand il n'y a pas de liaison avec gourou, quand on voit notre gourou une fois par 5 ans ou je ne sais pas quand, ce n'est pas assez.
Aujourd'hui, heureusement, nous avons de l'Internet. On peut avoir, en fait, certaines liaisons rapides avec Guru, mais ce n'est pas vraiment une meilleure solution. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'être à côté de Guru, c'est autre chose. Parce que, par exemple, au moment de parler au téléphone, Guru entend juste notre voix, ok, mais il ne voit pas qu'est-ce que nous faisons après cette conversation téléphonique. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après, où il va, avec qui il s'associe, etc., etc. Voilà pourquoi, en fait, les sanghas ne peuvent pas... les sanghas ne peuvent pas être énormes. Encore une fois, dès que sangha devient énorme, on est obligé de créer une structure administrative. Chaque structure administrative tue en fait sangha. Bah, comment on fait ? Il ne faut pas devenir grand, il faut avoir des petits sanghas. Il ne faut pas tout mettre dans un seul endroit. Parce que chaque sangha doit être autour d'un guru. Bientôt, le mouvement il va répandre dans le monde entier. Oui, mais pas dans un seul endroit. Par exemple, notre problème de Sarcelles, aujourd'hui, c'est qu'on veut tout emmener là-bas. Mieux faire trois petits qu'un grand. Vous comprenez ? Et ne pensez pas que, en fait, Krishna se trompe quand il dit « chaque fois, la religion subit une décadence ». Ne pensez pas que notre mouvement va vivre éternellement. Non. Notre mouvement va avoir son décadence aussi. Srimad Bhagavatam a eu la décadence avant l'arrivée de Bouddha. Srimad Bhagavatam était déjà disqualifié avant l'arrivée de Bouddha. Il fallait 2000 ans pour que Srimad Bhagavatam revienne de nouveau. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque fois j'arrive, je donne les principes de religion, après il y a une décadence. C'est inévitable, il y a une décadence. Et la première cause de la décadence, c'est quand à côté de bhakti, il y a bhukti qui apparaissent. À côté de service dévotionnel, il y a la gratification des sens. Dès qu'il y a la gratification des sens qui pénètre dans un mouvement spirituel, ce mouvement spirituel commence à se détruire. Donc c'est inévitable. Ok. Prasad? Prasad. Ok. Hare Krishna, merci beaucoup, cher Devo. Shishimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shishimad Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.